putain, non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Putain. J'ai vraiment oublié comment faire. Oh là là, magnifique. Oh putain. Ce serait con que je meure comme ça quand même. Ouf. J'ai vu un tir me frôler l'oreille là. Putain. Putain. Enculé. Ah, juste quand j'allais me cacher quoi. Oh là là, l'enfoiré. Bon, on va en recommencer. Je crois qu'il y en a un qui va douiller en premier, mais il faut que je le trouve. Peut-être que... Voilà, hop. J'attends que ma vie... Oh, tiens. Non, toi, je t'ai rien demandé. Ah, te voilà. Bien, si. Ah, j'ai failli t'avoir. Oh, toi je t'ai vu. Et voilà, ça c'est fait. Oh punaise, par contre, il y en a un autre qui m'a vu, qui m'a aligné. Oh putain. Ah, il est là. Non, non, ne touche pas. Voilà. C'était limite, hein, mais bon, c'est passé. Toi, apprends à viser. Et il y en avait un autre, je crois. Ou j'ai rêvé. Je crois que j'ai rêvé. Voilà, toi, va voir ailleurs. Et on peut avancer, apparemment. Oh, apparemment, il y a du monde. Bon, bah, je vais prendre ça. Il est à 100%, autant en profiter. Oh là là! Ah, j'ai pas fait gaffe à la grenade. Allez, on reprend la vie. Voilà. Toi, par contre, là-bas, je t'ai vu, hein. Voilà. Faudrait que je tire qu'une fois aussi parce que ça consomme au plus des balles, hein. J'ai que 10 balles. Ça mérite pas que je consomme une balle pour lui. Oh! Toi, je t'ai vu. Oh là là. Voilà. Putain, non, 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 oh là, 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 oh là. Bon, je récupère ça. Voilà, oh là là, oh là là, oh là là, il y a du people, il y a du people. Faut que je m'occupe déjà des snipers. Voilà. Putain, y'en a plein. Merde, j'ai plus de balles. Ouf. Il est où l'autre? Je peux essayer quand même de l'aligner comme ça. Ah oui, c'est bon, c'est pas trop compliqué. Hop. Putain, allez. Ah, voilà. Ah, point de contrôle, super. Bon bah cette mission prend son temps quand même, hein. Comparé aux autres 20 minutes, 25 minutes, là j'en suis à une demi-heure. Aussi je suis mort aussi plein de fois, j'ai pas avancé très vite, c'est un peu de ma faute. Papa. Ah, il vient de là. J'ai réussi à l'avoir. C'était chaud mais j'ai réussi. J'avance doucement. J'ai pas envie de me faire prendre à partie. Hop, je récupère des munitions. Et là, apparemment, il y a du people. Hop. Et boum. Oh, ah, celui-là, il était beau. Ce tir, il était beau, non? Toi. Toi, ne casse pas tout. Oh là là, le kamikaze. Oh, les kamikazes. Oh là 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 là. Je les ai vus au dernier moment, j'ai failli me faire avoir.
Et ils commencent à jouer les kamikazes là, j'aime pas trop ça. J'aime pas beaucoup ça là. Non, 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 m'approchez pas! Grognard de mes couilles. Me dis pas que j'ai tombé. Oh non! Oh non! Oh mon dieu! Non! Oh non! Comment on peut mourir aussi connement? Sérieux? Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas le droit de mourir comme ça. Oh non, j'ai pas le droit. C'est pas possible. Après tout le boulot que j'ai fait là sur la plateforme, je peux pas mourir comme ça. C'est pas possible. Oh non, franchement là. Vous pouvez mettre un gros you fail dans les commentaires, là je le comprendrai. Putain, toi, m'approche pas. M'approchez pas, je vous dis. Oh le... l'effet domino. Bon, maintenant faut que je fasse attention où je marche quand même. Parce que là, quand même, c'était. C'était légèrement, mais vraiment légèrement. Oh putain! Des Prométhéens! Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces cons? On passe du convenant au Prométhéen d'un coup, comme ça, gratuit. Oh putain, non, 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 me touchez pas. Oh putain, non, non, non. Oh putain, j'ai cru que j'allais tomber encore dans le vide intersidéral. Oh là là. Je crois que utiliser aussi le jetpack serait une bonne idée. Voilà. En plus, j'ai envie de récupérer les armes prométhéennes, ce serait sympa. Putain. A chaque fois, en plus, ils vont me faire tomber. Ensemble les Prométhéens et les Convenants, les Covenants, tu sais que ça s'appelle des Covenants, hein. T'inquiétez pas. Non, 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 me tue pas, sale cadeau. Allez, récupère, 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 récupère. Voilà. Voilà. Alors, il m'a lâché quoi comme arme. Oh oui, mon arme préférée. Je pense que c'est pratiquement maintenant devenu mon arme préférée hein, dans Halo. Oh, tiens, il y a encore un ennemi là. Pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout de cet ennemi. Allez, on continue. Oh, 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 oh. Putain. Par contre, faudrait quand même que j'ajuste bien mes sauts de jetpack. Voilà. Voilà. Il m'a lâché quoi comme arme? Ah bah d'accord, c'est juste des recharges. Putain, par contre, je suis en train de me faire latter là. Attends, je visais mieux que ça quoi. Descends, descends. Voilà. Oh là là, toi me touche pas. Allez, récupère de la vie, récupère, récupère, récupère. Allez, Master Chief! Voilà. Allez, viens là, on va discuter. Oh non, non, non! Monte, monte, monte! Oh, je me suis mis en mode ascenseur. Oh là là. Je vais profiter, je vais vider un peu mon chargeur. Oh! Oh putain, comment il est arrivé? Il m'a foutu les jetons en plus, ce connard. Oh, wow. Il m'a fait peur, le con. Bon. Voilà, je vais prendre ça. C'est, je suis en mode Prométhéen, là. J'ai plus rien demandé. Non, meurs! Voilà. Bon, alors, où on en est? Parce que là, ça fait quand même 37 minutes, hein, vous aurez une longue vidéo, hein. Ouh, très très longue. Hein. Ça doit être sûrement aussi une des plus longues, une des plus longues missions, plutôt. Cortana à Infinity, nous pénétrons dans la structure Forerunner. Allez, on fonce. Bon, on va pas trop vite non plus. Coordonnées reçues, mais la transmission n'est pas bonne. C'est un gentil. Ah oui, c'est un gentil.
sûrement un ascenseur. Ouais. Cet ascenseur devrait nous mener directement aux coordonnées fournies par l'Infinity. C'est comme si les sentinelles voulaient qu'on détruise ces canons à particules. C'est peut-être un piège. Ah, vous dites ça comme si on avait l'embarras du choix. Ok. Bon, on est dans la base Forerunner, il semblerait. Si j'ai bien entendu. J'arrive. Voilà. Bon. J'arrive, putain. Oh, bah tiens, on doit activer un truc. Et regardez-moi ça. Pop, pop, pop. On a atteint les coordonnées. On dirait bien que c'est là. Ouais, on est bien arrivé. Allez, on s'occupe de la console. Consoles doivent certainement servir au ciblage et au guidage des canons à particules. C'est un système. Techniquement, je ne devrais pas pouvoir rediriger ces canons pour qu'ils se détruisent. Techniquement. Cortana à Infinity. Les générateurs sont désactivés. Ça donne quoi là-haut? Infinity? Cortana. Il y a quelque chose. Hmm? Qu'est-ce qui se passe? Cortana! Cortana! Qu'est-ce qui se passe? Oh, Cortana, t'es passé où? Ouh, eh oh, bon, ma petite alcoolique. Ah putain, Cortana, où es-tu, nom de Dieu? Allez, si c'était une blague, c'est pas drôle. Ah, Cortana, non, c'est bon, à mon avis, elle doit pas être là. Bon, on va peut-être revenir sur nos pas. Oh, ok, je crois qu'il faut aller par là. C'est là où on était sur le pont. Guac total. Hop, il se barre et on tombe dans les ténèbres. Insondable et de l'oubli plein de microbes. J'ai pas fait le con là. Attends. Il faut que j'avance là. Voilà. Et que je passe par là. Voilà. Et je passe par là. Ok. Mmh. Ah, elle est là. Cortana, Cortounette. Oh putain. Je vous laisse apprécier. Qui êtes-vous? Je suis ce qui reste du Forerunner, que l'on nommait bibliothécaire. Mes souvenirs ont été gardés afin d'aider l'humanité, sur la voie du manteau. Mais ce plan est hélas en péril. Le didacte va quitter le Requiem. Très bientôt, vous devez l'en empêcher. Il part. Il cherche ceci. Le recomposeur. Un appareil qui lui permettra de contenir la plus grande menace jamais rencontrée par les Forerunners. Vous. L'homme a conquis les étoiles avec une force totalement inattendue. Des systèmes entiers sont tombés avant que les serviteurs du didacte ne mettent un terme à cette agression. Lorsque le didacte parvint à arrêter l'humanité après un millénaire, la sentence fut sévère. Nous ne pouvions pas savoir que les Forerunners n'étaient pas votre seul ennemi.
l'humanité ne se développait pas. Elle s'enfuyait. Affaiblis par ce conflit, nous n'étions plus de taille contre le parasite qui vous poursuivait. Les Forerunners élaborèrent des plans pour un dernier grand voyage. Mais le didacte refusa de renoncer au manteau de responsabilité. Pour sauver la vie dans la galaxie, il en paierait le prix. Les Forerunners souhaitaient utiliser le recomposeur, un instrument qui permettrait de transcender le fossé entre sphère organique et numérique. On serait devenu immortel. Pendant un temps, nous l'avons cru, mais ce fut un échec. Les personnalités conservées se fragmentèrent, et nos tentatives de revenir à notre état biologique ne créèrent que des abominations. Ces considérations morales échappèrent complètement au didacte. Le parasite n'assimilait que les tissus vivants. Le recomposeur offrait au didacte une solution. Et sa revanche. Les Prométhéens. Ils sont humains. Il n'était que la première étape. Il aurait encodé toute votre race. Si vous ne lui aviez pas retiré le recomposeur et ne l'aviez pas emprisonné ici. Dépositaire. Lorsque j'ai indexé l'humanité en vue du repeuplement, j'ai dissimulé des germes. Des germes qui engendreraient une potentialité. Votre évolution physique. Votre tenue de combat. Même votre coéquipière, Cortana. Vous êtes le fruit d'un millier de vies de planification. Pourquoi faire ? Il nous a trouvés. Même morte, elle s'insinue partout. Dépositaire, le généchant qui est en vous renferme de nombreux présents, dont l'immunité contre le recomposeur. Cependant, il faut l'activer. Comment ? Cessez tout contact immédiatement. Vous devez avancer sur le chemin de l'évolution. Est-ce que je peux vaincre le didacte sans ça ? Non. Alors allons-y. Préparez-vous. Alors là, on peut dire qu'on a fait de la révélation. Et putain, laissez-moi respirer! Attendez, laissez-moi me remettre de toutes les émotions que j'ai eues là, putain! On vient de découvrir que les Prométhéens, ce sont des... c'était des putains d'humains! Putain, je le savais! Quand on a vu leur crâne là, quand ils nous criaient dessus là, et qu'on voyait que dans leur armure, ils avaient un crâne humain, eh ben c'était pas pour rien! Je le savais qu'il y avait de l'humain là-dedans! Je le savais, je le sentais, je le savais, je le sentais, je le sentais, je le savais! Ah là là! Oui, j'y vais. Eh ben, on est presque à 45 minutes de vidéo, et apparemment, ça vient de partout. Laissez-moi, maudit Kleps. Lâchez-moi la nouille. Ah, putain. Ouh, il a eu mal, lui. Putain, j'ai foiré. Ah sérieux, tu putain. Par contre, faut que je récupère un peu de... Attendez, je fais pause, je baisse un peu le son. Je crois que vous allez avoir un peu d'écho. J'en suis désolé. Ou pas. Je m'inquiète, si ça se trouve, je m'inquiète pour rien. Par contre, faut que je récupère un peu de vie, ce serait sympa. Te voilà. Voilà. Hop, on prend et c'est parti. Ouh, celui-là était beau aussi. Allez.
franchement là on a eu un on a eu une très 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 longue phase de dialogue. Je crois que l'épisode je vais le couper en deux. Je vais essayer de le couper proprement. Je crois qu'il y a un truc à récupérer. Ah bah non en fait. Ah bah si. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça sert en tout cas. Vidéo de domaine déverrouillé sur le waypoint. Ah bon ? Bah bon, d'accord. Ok. Major, qu'est-ce qu'il y a eu ? Vos données vitales sont partout sur la carte. C'est une longue histoire, mais je sais ce que veut le didacte. Ça, je le sais. La bibliothécaire m'a tout expliqué en m'éjectant du système. Mais ce que je ne sais pas, c'est ce qu'elle vous a fait à vous. T'inquiète, pète la forme. Oh. Ah bah tiens, on va encore plonger dans un trou. Et... Bandai ! Sierra 117 à Infinity. Ouh, et ben dis donc, c'est enfin fini. La gravité de la situation. Oh putain, par contre là ça explose de partout, on fait pause et on va s'arrêter ici. Et attendez, je vais vous laisser quand même la fin du truc. Tiens, ça me rappelle Halo 3, c'est un moment de Halo 3. Capitaine, on pourrait désigner la cible avec l'indicateur laser. Oh putain, par contre il y a une apparition là. C'est moi qui ai le vise en plus apparition, hein, comme par hasard, j'ai envie de dire. Le Major. Bah voilà, donc pause et on s'arrête ici pour ce long épisode. Hein. Et bah, il va être un peu chiant à monter. Hein. 50 minutes, vous en avez eu de l'épisode de Halo, mais bon, je vais le couper en deux, donc je pense pas que vous verrez la différence. Alors, au revoir à tous, vive la Funky, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao à tous. Ciao à tous.